Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis hyper excitée aujourd'hui puisque je viens vous annoncer la mise à disposition, l'ouverture des inscriptions pour un tout nouveau kit, mais cette fois, c'est un album qui, écoutez bien, va pouvoir accueillir entre 40 et 65 photos de différents formats, évidemment. Mais vraiment, je suis hyper fière de ce projet, hyper excitée à l'idée de vous le présenter et j'espère sincèrement eh bien, qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je vous ai préparé une vidéo, un tuto pas à pas avec vraiment le détail de chaque étape pour que ce tutoriel, cet album, soit accessible absolument à tous les niveaux de Scrap. Je vous promets que même si vous êtes débutante, vous allez pouvoir réaliser cet album parce que vraiment, j'ai décortiqué chaque étape sans aucun souci. Donc vous pourrez vous aussi le faire et vous les passionner. Vous allez, je pense, vous régaler puisque c'est un projet un petit peu plus conséquent. Donc n'hésitez pas à faire avance rapide quand vous aurez le tutoriel. Il y a plein d'étapes que vous pourrez sauter. Mais vraiment, j'ai essayé de m'adapter au plus grand public possible et je croise les doigts pour que ça vous plaise. Alors on fait le tour tout de suite. Je vous présente l'album de printemps. Voilà. Donc ici vous avez un cadre sur lequel vous pouvez insérer une photo. Vous aurez la possibilité de le mettre au format paysage si vous préférez. Il est tenu ici par des aimants. Et voilà comment il se présente. Je suis désolée pour la lumière. Voilà. Voilà déjà quand vous ouvrez ce que vous découvrez. Sur la gauche, vous avez une pochette pour y glisser soit des photos, soit des souvenirs. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Sa tenue avec un aimant, enfin deux. Ici, un autre cadre comme celui de la couverture, mais avec une insertion sur le haut, ici. Vous avez en bas deux petits volets, pareil, tenus avec des aimants. Ici, on ouvre et on a une jolie pochette avec un tag pour pouvoir à nouveau mettre des photos. Ici, des photos. Sur cette page, donc là en dessous, vous avez une pochette où vous pourrez également insérer des photos. Voilà, donc on en a un petit peu plus petit en dessous. On continue, c'est pas fini. On tourne la page. On découvre ici donc une grande pochette, pareil, avec de quoi mettre des photos ici et vous pourrez en ajouter d'autres à l'intérieur. Vous avez ici une cascade horizontale. Voilà, qui change un petit peu. Ici, eh bien, vous allez probablement avoir du mal à deviner, mais je vais vous le faire découvrir tout de suite. En fait, ici, j'y vais en douceur, hein, je ne veux pas tout abîmer. C'est une boîte qui s'ouvre par le dessous et dans lequel vous découvrez plusieurs photos. Là, vous aurez la possibilité d'en mettre entre 4 et 8. Voilà, c'est absolument magique. C'est trop bien. Et ici, pour finir, sur ce volet-ci, qui est très très fleuri, donc vous avez un curseur qui maintient les bandes de fermeture. Et voilà, vous découvrez des nouveaux volets avec cette fois une cascade verticale. Plein de petites cachettes, plein d'endroits pour coller vos photos. Voilà. Un projet conséquent, accessible vraiment, vraiment à tous les niveaux de Scrap. J'insiste, j'ai vraiment passé de nombreuses heures à faire notamment le tutoriel vidéo. C'est un réel pas à pas, donc n'ayez pas peur les débutantes, lancez-vous, faites-vous plaisir. Vraiment, je suis sûre, je suis convaincue que vous y arriverez sans souci. Voilà, donc les inscriptions pour ce kit album sont ouvertes.
Vous avez toutes les précisions dans la publication, les liens nécessaires dans la barre d'infos. D'accord. Je répète à l'oral ce que j'ai écrit dans l'article, etc. Vous avez la possibilité d'indiquer deux de vos collections préférées qui sont actuellement dans les deux catalogues. D'accord. Et selon la disponibilité des stocks, au moment où je passerai la commande, vous aurez la surprise. Vous devrez impérativement choisir une collection au format 30,5 par 30,5. Les 15-15 ne passeront pas sur cette partie. D'accord. Je sais qu'on va me poser la question. L'album fait 21 par 20 cm à peu près. Voilà, donc vous pourrez insérer entre 40 et 65 photos. J'espère de tout cœur que ce projet va vous plaire et je vous dis à très très vite pour les inscriptions et la réception de votre colis. Il va falloir me laisser un petit peu de temps, d'accord? Vous le savez, le temps que je passe la commande, que je réceptionne la commande, que j'ai prépare tous les colis et les kits et qu'ensuite cela parte, vous les recevrez courant avril. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Ciao, ciao!